Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation des deux frères jumeaux, les deux castors, les deux singes, les deux ce que tu veux, les Tachibana, Kazuo et Masuo, les frères complètement dingues, acrobates de la mort qui tuent tout, qui ont contré les Aztèques mexicains. Comment il s'appelle déjà l'entraîneur? Oh, j'ai un trou de mémoire. Oh, j'ai un trou de mémoire. Entraîneur de... Non, c'est pas... Non, c'est pas... Ah, ça finit par un O. Camo. Camo, voilà. J'ai eu un petit peu peur. Camo, qui avait senti qu'il fallait contrer les acrobaties des Mexicains, et il a titularisé les deux frères, et il a bien fait. Et ils sont là, en Dreamfest, ils sont magnifiques. Avant de commencer la présentation, je voudrais faire un petit mot pour un nouvel event sur Paris, le 7 juin 2019. Donc toutes les informations sont sur mon Twitter ou sur le Twitter de la Choupi ou sur le Twitter de Hocine. Donc c'est là-bas que vous pourrez voir les informations pour vous inscrire. C'est gratuit. C'est sur Paris. C'est à 19h30 jusqu'à... Voilà. Et on va se marrer et ça sera diffusé sur Internet. Et bien évidemment, des lots à gagner, etc. Et mais surtout, un moment de plaisir à se revoir ensemble avant la grande messe de la Japan Expo avec tous les frérots, etc. etc. Des quatre coins de la France. Aussi, je voudrais aussi dire un petit mot sur ce qui s'est passé cette semaine par rapport à la venue de Takahashi-san. Mardi 28, il donnait une conférence de presse pour l'adaptation de Captain Tsubasa 2018, le remake, en France, sur TFou, TFX et TF1, enfin tout ce que tu veux, mais du groupe TF1, My TF1, etc. Donc ils vont le diffuser très 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 bientôt, donc restez connectés à leur compte Instagram, Twitter ou ce que vous voulez, pour être comment dire, pour être informé des news, pardon, excusez-moi, je viens de casser le ramadan là. Des news de l'adaptation française avec les voix françaises. Par contre, les noms vont rester les mêmes. Tsubasa va s'appeler Tsubasa et pas Olivier. Yuga va s'appeler, bah, va rester Yuga, ne s'appellera plus Landers, etc., etc. Il y a tout un truc qui va s'organiser autour de la licence Tsubasa pendant 2 ans. Et apparemment, c'est en très très bonne voie. Il y aura la suite de Captain Tsubasa. Le remake après le match de Nankatsu contre l'ATO, donc on verra normalement si tout se passe bien le tournoi de Paris avec la finale contre l'Allemagne, etc., etc., avec Schneider et tout et tout. Après, mon rêve, pour ceux qui me connaissent sur Twitter, je rêve d'une adaptation World jusqu'au bout. Après, s'il fait Rising Sun, ça c'est du bonus, on prend, il n'y a aucun souci, on regardera ça avec passion. Et aussi le mercredi, il donnait une le mercredi 29 mai, il donnait une séance de dédicace dans une librairie japonaise, Julku. D'ailleurs, un grand big up à Julku pour l'événement qu'ils ont bien plutôt bien géré. Et on a pu rencontrer pendant quelques secondes notre créateur favori de notre licence favorite. Je sais même pas si ça se dit, c'est pas grave. J'ai pu rencontrer des frérots, Kirk, Bobby, Kay, bien évidemment, la famille Neo, Tagotfire, gros écart à Tagotfire, à qui bah, je dois tout par rapport à l'autographe que j'ai reçu sur le super dessin. Bon, même si c'est vrai que c'est un dessin commercial. Et qui c'est qui est venu encore avec nous, que je dis pas, j'aurais pas dû me lancer dans les dédicaces personnelles. Alors attends que je me rappeler. Il y avait Bobby, Kirk. Il y avait aussi un ami qui faisait des. Enfin, qui a mis tous les OAV de Shin Tsubasa sur sa chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, ça s'appelle Kojiro Yuga, tout simplement. Et il a mis tous les épisodes de Shin Captain Tsubasa. Donc si vous voulez aller les voir, allez-y. Sous-titré en français, bien évidemment. Et je crois que c'est tout, si je dis pas de bêtises. Et bien évidemment, pardon, mon frérot Chamix
que j'oublie pas, où j'ai passé 2 jours, non, j'ai passé une bonne journée, la journée de la conférence de presse. On s'est vu plusieurs fois dans la même journée, ça fait plaisir. Et voilà, donc pour un dernier petit mot aussi, encore pour l'event, c'est sur Paris à l'EP7. Inscrivez-vous, c'est gratuit. Je sais qu'on a fait ça un peu ric-rac. Malheureusement, il y en a qui n'ont pas pu venir, qui ne pourront pas venir à cause de. Bah, parce qu'ils travaillent, il faut qu'ils posent des jours, etc., etc. Pour la prochaine édition, on fera. Comment dire? On fera. On laissera le temps, bien évidemment. Parce que je pense qu'il y aura moyen de faire une nouvelle édition avec l'ami Atsushi, l'ami Hossin, mon frère Nanou et Shamix pour organiser tout ça. Vous êtes les bienvenus, les frérots. Donc, toutes les informations sur mon Twitter. Abonnez-vous à mon Twitter ou sinon le Twitter de Shamix, de Atsushi ou de Hossin. Allez, c'est parti pour les Tachibala. Donc, on va avoir 2 Dream Ball offerts tous les jours pendant 30 jours. Donc, ça vous fait 60. Ça, c'est, on va pas cracher dessus. Merci, Club. Toujours les tickets SR+. Donc, on aura 2 multis qui vont se débloquer le lundi 3 juin. Donc bien évidemment, je vais vous faire une vidéo, ça c'est sûr. Donc les vidéos vont s'enchaîner pendant ce mois-ci, ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe quoi, mais c'est bien pour ceux qui sont abonnés à la chaîne. Il y aura un peu de contenu, c'est vrai que je me sens un petit peu endormi ces derniers temps, parce que voilà, ma vie privée est très 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 épuisante en ce moment, mais ça va se calmer normalement mois de septembre. Donc mois de septembre, on va reprendre un rythme de croisière, je pense, une vidéo par semaine, un truc comme ça, et ça va vous plaire, j'espère. Sur des petites vidéos news, mais heureusement qu'il y a les frères Omich, Bejito, Atsushi qui sont là pour faire des vidéos assez complémentaires. C'est pour ça que je kiffe notre communauté, parce qu'on fait toujours, on fait quasiment les mêmes vidéos, mais on a chacun nos styles et l'autre va peut-être donner une info que l'autre n'a pas donnée. Et c'est pour ça que je kiffe voir les trois, enfin les trois news en tout cas, quand ils sortent de mes poteaux. Bien évidemment, quand je fais une vidéo, je ne regarde pas leurs vidéos. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'être influencé sur ce qu'ils vont dire, etc. Donc, je préfère me découvrir par moi-même et dire vraiment ce que moi je pense. Et bien évidemment, je donne la force derrière à Mitch, à Bigito et à Tsushi avec des pouces bleus et des commentaires si mon cœur en dit. Allez, c'est parti, collection. On va commencer par Mazo. Donc, lui, il est plus défensif, plus milieu def si le jeu ne veut pas. Le veut bien, il le veut, ça fait plaisir. Allez, hop, il est bleu. Il est 3 postes. Allez, hop, s'il veut bien. Donc, ça fait déjà 2 fois que je fais la vidéo parce que j'ai oublié de mettre mon micro. L'erreur de débutant du youtubeur. Alors, endurance 1064, attaque 20 211. Ah non, lui il est attaquant, pardon, excusez-moi, c'est l'autre qui est plus milieu def. De toute façon, vous voyez les chiffres, hein. Donc vous avez compris que 8 380 en tir, il va pas jouer milieu def. Donc lui, ça va être attaquant, peut-être même attaquant excentré. 5 300 en passe, ça commence à être très faible sur le PVP. Donc il va falloir faire attention à pas faire des passes blanches ou même des SP passes. Il va falloir faire attention. Les dribbles, ouais, mais c'est plus peut-être, ouais, la combi, peut-être, ouais, la combi des frères, je sais pas. 17 873 en défense, 5 002 en attaque, 4 600 contre et presque 8 000 en interception. Donc très 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 fort l'interception. Presque au même acabit que son frère, vous allez voir tout à l'heure. Sauf que son frère a 800 points de plus que lui. Donc les deux frères sont complètement ouf en interception. C'est n'importe quoi. Donc si vous êtes défenseur, vous êtes face à lui, tirez. Tire frère, ne fais rien d'autre, même pas dribbler. Dribble, même l'aspect S va te prendre le ballon. 18 725 en physique, 6 002 en rapidité, 6 600 en puissance et 5 800 en technicité. Bon, un petit peu faible la technicité par rapport à l'interception. Donc bon. Par contre la puissance par rapport au tir, c'est pas trop en adéquation. Mais bon. Bref. Peuvent pas être parfaits les mecs, mais ils restent très 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 fort. Ballon haut et balle basse, très bon. Ça on s'en doutait, pas de souci là-dessus. Il donne à tous les World Youth 10%, donc n'importe quelle nationalité. Donc du moment que c'est l'arc World Youth, il donne 10%. Si vous voulez faire une équipe World Youth, allez-y avec les Tachibana. Les deux frères, ils ont le même team skill.
Et ou sinon, vous donnez 10% à tous les attaquants et gardiens. Voilà, et c'est un tueur de def. Il prend 15% face aux défenseurs et face aux attaquants. Donc il est cheaté et en plus, il prend 15% gratuit, un acheté, un offert. Tirceau périlleux avant de l'écureuil volant. Bien évidemment, de toute façon, toutes les spé, il vous faut le frère derrière. Donc voilà. Apparemment, l'un des frères qui pourrait lui convenir, ce serait le Tachibana Kazuo bleu World Cup 2018. Apparemment, ça, il se marierait pas mal les deux. Donc ça peut être pas mal. Donc il a une combi, bien évidemment, des frères A80, 320 de stab et 300 d'interception catapulte infernale qui était farmable avec les. Je crois, si je dis pas de bêtises, avec les, bah, avec les World Cup, mais gratuit. Voilà, parce qu'ils sont sortis en deux fois en World Cup 2018 en gratuit et en invocable. Si je dis pas de bêtises, bien évidemment. Hop. Tac. On va chercher le Kazuo, mon préféré. Moi, je préfère Kazuo. Je sais pas pourquoi. Je préfère lui. C'est un avis personnel. Même si le dessin est le même, mais c'est pas dans. Je sais pas. Bien évidemment, ils sont différents. Tu vois, des petites différences entre les deux frères. Allez, c'est parti. Hop. Il est vert. Voilà. Triple poste comme son frère. Mais sauf que lui, il va falloir le jouer au milieu def. Parce que quand vous voyez les stats, tu vas pas jouer attaquant. Il a que 5000 en tir, 5002 en passe et 6002 en dribble. Donc peut-être le dribble. Et encore, tu tombes contre un gros tacleur, il se fait arrêter, je pense. 1064 comme son frère. Par contre, là où il est extrêmement fort, c'est 21 947 en défense, 7128 en attaque, 6060 en contre, 8759 en interception, le plus gros intercepteur du jeu. Voilà, je cherche pas à comprendre. Il a dépassé Karlsfest, il a dépassé le nouveau Shunkosho, le nouveau Shunkosho rouge que j'ai droppé avec la DB à 30. Et d'ailleurs le Bounak aussi, ça fait vraiment plaisir. 18 285 en physique, 6002 en rapidité, 4009 en technicité et 7120 en technicité. Ça c'est pas mal, ça va avec l'interception, donc c'est très bien, c'est en adéquation, c'est sympa. Donc balle haute et balle basse, très bon forcément, c'est des Tachibana, c'est les frères Acrobates. Donc bien évidemment les team skills sont exactement les mêmes, sauf que lui il va prendre 15% face au milieu offensif et milieu défensif. Donc les mecs, si vous tombez contre lui, il va falloir jouer sur les côtés. Et c'est débordé pour pas vous. C'est n'importe quoi. Heureusement qu'ils n'ont pas l'interception automatique. Je crois que ceux qui ont l'interception automatique, c'est les frères Tachibana Dreamco. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est les Dreamco. Si je dis une bêtise, mettez-moi ça en commentaire, bien évidemment. Je connais pas le jeu sur le bout des doigts, comme l'ami Mitch. Dédicace à lui d'ailleurs. Tacle du singe 325 qui coûte assez cher, je trouve. Pour un tacle, saut de l'écureuil volant 205. Donc, un petit drip très sympa. On va voir le drip, combien il a déjà? C'est sa plus forte stat en attaque, donc sympa. Mais l'interception là, c'est n'importe quoi. Donc voilà les amis, hein, je pense qu'on a fait le tour de la question. Donc moi je n'invoquerai pas dessus tout simplement parce que d'abord je ne joue pas trop Jap, même si moi ma team Jap pardon n'est pas trop dégueu. Et je ne joue pas vert, je ne joue pas bleu non plus. Donc voilà. Donc j'attends bien évidemment l'anniversaire, j'attends lundi, ça va être le feu, donc les vidéos vont reprendre. Avec un rythme régulier, quand il y a une grosse actu sur l'anniversaire, je balance la vidéo avec mes amis, etc. Et voilà, et prochaine grosse étape, les amis, si vous voulez nous voir avec la team, la Japan Expo, avec le Dream Championship, je crois que c'est samedi ou dimanche, je ne sais plus, donc mettez-moi ça en commentaire aussi, parce que j'ai plus l'info sous les yeux. Mais le Dream Championship, ça va être le feu aussi. Donc je serai sur place devant le stand club avec les poteaux. Et voilà les amis. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Toujours le jeu partagé libre pendant un bon moment. Le portail Ramadan qui va se terminer. Si je crois qu'il est même. Non, je crois même il est même terminé le portail Ramadan. Donc voilà. Donc très très fort le Weran les mecs. Hein. Très 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 fort. Ouais, il fait très mal. Très 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 mal. S'il veut bien.
Et c'est là que je te lance une single là. Non, je rigole. Oui, le Dreampot. Je voudrais revenir un petit peu là-dessus. Donc malheureusement, on peut plus avoir de tickets. Donc voilà ce qui me restait. Alors, j'ai eu le Pierre Bleu. Donc lui, je le garde au cas où je pense qu'il va avoir un potentiel. Comment dire, potentiel. Et le Natureza Interception Automatique, ça fait plaisir. Et j'ai eu le Tsubasa que vous voyez de la bannière, le Tsubasa vert que tout le monde rêve d'avoir maintenant. Avant c'était une quiche, maintenant tout le monde rêve d'avoir pour une team verte, je crois, qui est assez fort. Bon, je vais pas tout détailler, mais qui est pas mal. Et ces tickets-là qui vont se débloquer dans 2 jours. Voilà, 2 multi SR+. On sait pas qui sera dans les détecteurs, si les Dreamfest sont là, si les Dreamco sont là, on verra. Bien évidemment, je vous fais une vidéo, ça, vous pouvez compter sur moi. Je vous laisse, je vous kiffe. À la prochaine et vive Captain Tsubasa Dream Team.